sécuriser le complexe? Si par sécuriser, vous voulez dire massacrer tous les monstres, alors oui. Je comprends que vous soyez énervé. Mais ce qui arrive ici, c'est notre faute, vous voyez? Attendez, vous n'avez pas vu une matriarche Asari par ici? Une Asari? J'avais oublié de lui parler d'elle. Je n'en ai pas vu, non. Elle est en sécurité dans ce cas, à la station de la faille. Ça n'est pas important. Vous, écoutez-moi. Faites tout péter. Félix a trouvé un œuf sur un vaisseau très ancien, qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Ragni. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Et vous avez réussi à faire éclore un œuf aussi ancien. Ce dialogue, putain. Oui. Une cryostase si longue, c'est très dur d'en sortir. C'est un miracle qu'il ait résisté au passage du temps. Twin Helix voulait cloner les Rachni, les produire à grande échelle pour créer une armée. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'œuf n'était pas celui d'un vulgaire Rachni. C'était un œuf de reine. Blablabla. Ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rachni seraient plus. J'ai comme l'impression qu'ils avaient tort. Sans leur reine, les Rachni ne se développent pas correctement. C'est son esprit qui les éduque. Sans elle, ils sont incontrôlables. Dans ce cas, tout ce qu'on a à faire. Non, c'est Rachni. Excusez-moi, je passe. Hein. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique. Qu'est-ce que je dois faire? Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé, et ensuite je donne le code à Mira pour. Genre, c'est trop le drama et tout. C'est trop mignon. Lyra, elle est contente. Elle a fait voler une chaise. Voilà. Il est bien mort. C'est fort dommage. Comme par hasard, le seul mec qui avait les codes est mort. Connexion en cours. J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Que désirez-vous? Active la bombe neutronique. Désolée, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Autorisation 875-020-079. Exécution locale du code Oméga. Confirmé. Exécution du code Oméga dans 120 secondes. D'accord. Et du coup... What? Ok, d'accord. Lâche-moi ce bout de mur. Il y en a tellement. Je viens de voir ma minimap.
Putain, mais c'est pas possible. Non. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Qu'on court tout droit? Il aurait peut-être fallu qu'on court tout droit, en fait. Et oui, peut-être. Connexion en cours. J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Que désirez-vous? Active la bombe neutronique. Désolée, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Autorisation 875-020-079. Exécution locale du code Oméga. Confirmé. Exécution du code Oméga dans 120 secondes. Ok les mecs. Cours. C'est ça qu'il fallait faire? Je crois que c'est ça qu'il fallait faire. Et bah, c'est bien! Ça a très bien marché ce qu'on vient de faire, non? C'était pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai plutôt bien kiffé. On peut plus redescendre, par contre. Poppy qui joue bourrin. C'est bon, je m'en bats les couilles, j'ai tracé ma route. Ça passe. Ça passe complet. Ah, ils sont plus là. Pourquoi? Est-ce que j'ai fait bêtise? Désolé, Shepard, j'agis sur ordre de Benetia. Feu à volonté! Pas de soucis. Tu dois mourir. Position de tir. Ressort ta petite tête pour voir. Putain, mais je peux pas lui foutre un bon coup de crosse dans sa gueule à lui là. Ça? Quoi? Il en reste? Il en reste. Ok les gars. Attendez juste que mon bouclier revienne. Ah oui d'accord. Ok, ok les mecs. Là, non, d'accord. On a encore trop d'ennemis, c'est ça? Faut que j'aille voir l'infirmerie, c'est pas possible.
On verra après. Oh putain, mais... Ouh ! Jamais vu autant de neige et de glace. C'est tout ce qui vient à l'esprit quand on est là. Je serais contente que nous laisserons ce monde glacé derrière nous. Ok. Super les mecs. On va vers où ici ? Je sais pas dans quelle direction on va là, mais bon, si j'ai le droit d'y aller, c'est que... Est-ce que ça pose pas de problème à ce stade-là ? Ok. Allons-y les gars. J'imagine que je vais avoir droit à un discours genre « vous en savez trop ». Silence. Pourquoi elle est en train de se guérir là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, d'accord. Qu'est-ce que je viens de me prendre dans la gueule, quoi. Non, pas les boucliers. Pas besoin. Toi, passe au snipe. Avance Garrus. Non mais Garrus, je pense pas que tu vois quoi que ce soit là où tu es. Et lui il bouge pas, il y a pas peur. Partout où je vais, je suis le seul survivant. Vous feriez mieux de me laisser. Ouais. L'équipe scientifique se fait liquider. Pourquoi ? À votre avis ? Parce qu'on sait ce qu'ils ont fait. La société veut faire disparaître ces erreurs. Ils ont envoyé une matriarche chargée de nous liquider. Venezia ? Elle est ici ? Elle a ordonné à Belle Tralis de vous envoyer au labo fortifié. Elle voulait que les Rachni vous descendent. Indiquez-moi la direction. Par le poste de contrôle. Tout droit. Faites ce que vous voulez. Moi, je me tire de cette montagne. T'as bien raison, mon petit père. Si je pouvais faire pareil, je le ferais. Ouais.
What the heck? Ouais, c'est mort. C'est mort. Tant pis. Putain, mais je vais où? Je suis où? Putain. Il y a trop de portes, de couloirs. Où cet ascenseur? Attends, il y a encore une porte à côté. Putain. Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir.